Bonjour tout le monde, c'est Guidec62. Bon, on est parti pour ouvrir les récompenses Rivals et 21 packs que j'ai eu dans les objectifs et dans les défis. Donc, je crois que là, je vais avoir 4 packs, donc ça fera 25 packs à ouvrir. Ah, donc voilà. Bon, on est parti. En espérant avoir quelque chose là. Les fûts de birthday ils sont plus dans les packs à partir de demain. Donc si on pourra en avoir un avant que qu'ils sont plus là. Mais comme on en a déjà eu un la dernière fois, j'ai un doute sur le fait d'en avoir un. Parce que déjà, la dernière fois, quand j'en ai eu un, j'ai eu du mal à y croire. Donc là, deux, ça ferait bizarre. On va ouvrir tous les packs où il y a un seul rare. Comme d'habitude, un des 75 plus, il y en a une paire. Voilà. Un rare. Ah, c'est quoi ça? Ah ouais, c'est les cartes. Ouais, c'est vrai. Ouais. Parce que c'est encore assez rare de les avoir, ceux-là, là, les... Ah, comment que c'est déjà? Les Sud-Americanos. On les a pas encore souvent, ceux-là. Donc moi, je suis habitué, c'est quand c'est les autres, là, les... Ceux où ça s'affiche en bleu clair, là. Alors le prochain. Allez. Allez, dans les 75 plus, il y a sûrement moyen d'avoir un petit drapeau. J'ai encore assez de chance dans les 75 plus, donc un petit drapeau, ça serait pas mal pour faire les défis. Bon bah là ça démarre pas terrible terrible quoi. Ah ouais, carrément. Ok, c'est un joueur argent. Ok. Allez, allez, un petit truc quoi, un petit drapeau quand même. Même si c'est pas un joueur énorme. Ah bah voilà, un petit drapeau au moins. Pour changer. Ça va. Pour un 75 plus, ça se prend. Il y a quand même des belles petites cartes, moi dans ces packs-là, j'aime bien. Après, un 83, c'est pas non plus extraordinaire, mais bon. Pour un 75 plus, ça va. Poirier. Ok.
Bon bah voilà, bon, à part Hakimi, les rares c'était pas ouf. Hein. Bon là on va ouvrir les deux joueurs rares. Peut-être moyen d'avoir quelque chose là. Bon bah vu comment c'est parti, à mon avis ça va pas être un truc de ouf. Hein. Là. Là c'est critique. Hein. Pour l'instant on a eu 1,83 et c'est tout. Bah, après c'était pas des gros packs mais bon. Ok. Je sais même pas si j'ai déjà eu un drapeau dans un deux joueurs or rares comme ça. Je sais même pas si j'ai déjà eu un plus de 83. Je suis même pas sûr. Non, là c'est. Ils sont horribles ces packs cette année. Horrible. Ah, moi je préfère cette année, je préfère 100 fois les 75 plus à ceux-là. Pourtant, normalement, comme l'autre, il y a une carte, là il y en a deux, normalement il doit avoir deux fois plus de chance, logiquement. Et là, cette année, c'est deux fois plus de chance d'avoir de la merde. Bon. Bon, ils ont pas décidé de nous faire plaisir, je pense, FIFA, là. C'est chaud, quoi. Bah, après, on commence à avancer dans les gros packs, là, mais bon. C'est pas ouf. Commande ball, là. Ouais. Ah voilà, d'habitude c'est la couleur là que je suis habitué. Quand j'ai vu le bleu comme ça, je me suis dit Ah, 1,83. Le deuxième drapeau. Bah, au moins comme d'habitude, hein, j'ai des cartes de merde, mais au moins comme je dis à chaque fois, au moins ça va me faire des crédits. Là. Voilà. Ça va me remplir ma liste de transfert, ça va me faire des crédits. Allez, allez. Ah! C'est quoi ça? Ah, c'est normal. Oh. Casemiro. Bah, j'espère que c'est vendable. Parce que je crois que je l'ai déjà en non vendable. Et je pense que ça doit être un pack non vendable, hein, je pense. Donc, ben, ça sera poubelle, ça sera vente rapide. C'est dommage, mais bon. Là, je le savais, j'avais déjà. Ah, c'est non vendable. Donc là, je crois que l'autre, c'est pareil. Ouais, voilà. Donc, poubelle, c'est con parce que ça m'aurait fait, ben, je sais pas, 70 000 crédits. Ouais, ça m'aurait fait 70 000 crédits. Dommage. De toute façon, avec FIFA, on sait très bien qu'il y a plus de chances d'avoir des gros joueurs dans des non vendables que dans des vendables. Donc c'est comme ça, faut s'habituer. Hop. Alors, est-ce qu'il y a encore des trois joueurs rares? Non, il n'y en a pas. Bon, on va ouvrir les 6 rares. Bon, là, on commence à être dans les gros packs. Bon, c'est bien, c'est qu'on a eu un 89, mais bon, le problème, c'est que comme on tombe toujours sur les mêmes, à chaque fois, je les ai en doublon, quoi. Puis là, par exemple, c'est un pack vendable. Ben, j'ai pas de gros joueurs.
J'aurais dû tomber dans celui-là. Comme ça m'aurait fait 70 000 crédits. Ok. Hop, c'est bien quand il n'y a pas de double comme ça. Bon, là, on va ouvrir les trois là. Ok, y a quoi derrière ça? Non, il n'y a même pas de drapeau. Allez, allez, un bon truc là. Bon, ben, il n'y a rien de vendable, comme ça c'est fait. Bon, il reste quoi là? On va ouvrir celui-là. Espérons avoir un petit truc quand même dans le pack méga et dans le pack méga rare, ou dans l'un des deux du moins. Voilà, est-ce qu'il y a du vendable dedans? Non. Eh ben non. Allez, trois derniers. Bon bah c'est critique hein. À part le Casemiro pour le moment, mais qu'on a dû se débarrasser en vente rapide quoi. Allez, ça c'est des bons petits packs, en plus je les aime bien ces packs-là. Tolisso? Ah bah non, Tolisso, il est français. Ah, Goretzka, ouais, pas mal. J'ai tellement l'habitude qu'au Bayern Munich, quand j'ai un drapeau, je passe Tolisso, que j'ai dit Tolisso direct. Alors qu'il y a allemand, quoi. Ok. Bon, on aura eu un 84, on va dire que c'est mieux que rien. Bon, voilà. Bon ben dernier pack. Hein. Allez, un petit trait noir.
Ouais. Allez, allez. Ah, c'est pas une carte spéciale. Gomez. Je crois que je l'ai déjà aussi, lui. Donc en espérant que c'est pas de non vendable encore. Je pack toujours les mêmes, moi, c'est ça qui est chiant. À partir du moment où c'est une grosse carte, je pack toujours les mêmes. Ah, Dembélé, c'est pas mal, ça vaut combien, ça? Ça vaut pas grand-chose, mais... Ça reste une belle carte. En espérant qu'il n'y ait pas deux fois non vendable. Ah ouais, à chaque fois, ils me la font. Hein. Quand c'est une grosse carte, c'est ouf. Hein. Bon, on a rejeté un 86 et un 89. En fait, les seuls trucs bien qu'on a packés, ben, je les ai mis en vente rapide. Ah, c'est incroyable. Vraiment la guigne. Mais c'est un truc de ouf. En plus, il devait valoir un petit truc quand même, à 86. Ça doit valoir un petit truc quand même. Donc ça m'aurait fait 70 000 crédits pour Casemiro. Et là, ben, je sais pas combien, mais à mon avis, ça devait bien 86, ça doit bien valoir dans les 20 000, je pense. 15 000, 20 000. Donc voilà. J'aurais presque gagné 100 000 crédits, quasiment. Mais bon, pas grave. Bon, ben, si vous avez aimé la vidéo, pensez à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Et on se retrouve bientôt pour les récompenses clash d'équipe. Et normalement, la semaine prochaine, il devra avoir les récompenses fut champion en même temps que les rivals. Donc voilà. Salut!